Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Raider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 10 sur Assassin's Creed Origins, 10e épisode. Pas fait beaucoup de choses en 10 épisodes. oui, c'est vrai, on a cette quête. Trouver et assassiner Sophronios. Pourquoi pas? On a aussi ça. Et ça, et ça, et ça, et ça, récupérer, donc les deux là. Ah oui, le bateau aussi. Le fameux bateau. Non, ça, c'est aussi un autre bateau. Ça, on sait pas. Et voilà. Donc, on a des petites choses à faire. On va commencer par celui-là, je pense. On ira l'assassiner après. Oui, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête de blatterer. Ah, c'est là-haut. Ah, nice. Je cherchais la touche de saut et finalement, en fait, ça saute tout seul. Qui cucu quoi? Oui. C'est le roi, c'est le roi, c'est le roi des animaux! C'est bon? Cool! Ah, je peux récupérer même en. Ah, je savais pas ça que je pouvais récupérer ça en monture. On en apprend tous les jours. Bon! Gui-gui! Ah, mais c'est buter les. Non, c'est pas buter l'alpha, non? Trésor peut-être? Ah non, un trésor. Oula. Pourquoi pas. Grotte d'Anoia. J'ai entendu. Ça m'a tout l'air d'être une offrande quand même, hein. Toi aussi. Oups. Oh, la belle prise. Et ça, il y a marqué quoi? Offrande à Skemet. Skemet veille sur moi. Aujourd'hui, je commence le voyage dont je rêve depuis si longtemps. Vivre parmi ces magnifiques animaux. Je vais rejoindre une troupe de lions sur la hauteur qui est à l'ouest. Que ma nouvelle famille soit à jamais protégée. Je suis sûr, si on regarde un petit peu, on peut trouver son cadavre. Y a pas un petit cadavre qui traîne? Ou un petit squelette? Bah lui, il a dû se faire bouffer, non? Allez. Ah oui, non, mais c'est ça un arc de guerrier, c'est un arc léger. Non, 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 je sais pas pourquoi il me cherche. Donc, partons. Oula. Voilà. Il y a ça. Mais on va d'abord prendre ça, tiens. On peut faire le tour, non? Pour le level up, je sais pas si j'ai 2 points. Attendez. On va voir le level up. Pousser, pousser, pousser. Ouh, ok. Ah, ça sert. Stylé quand même. Détournement. Ok. Ça, c'est 3. Donc. rapporte des XP bonus en cas d'assassinat. Meurtre discret.
fouille automatique. Enchaînement. Hop. Eshwing. Ok, ça m'a l'air vraiment pas mal. Pas mal du tout. Ça, c'est quoi? Après avoir effectué un meurtre discret, alors que vous disposez de 3 secondes de ralenti en visant à l'orque. 3 secondes, c'est 1, 2, 3. Ah non, quand même, c'est long, quand même. Non, 3 secondes pour moi, c'était rien du tout, mais finalement, en fait, on est content. Tu dis, ah ouais, quand même. Attaque légère. Wow, ça a l'air un peu violent. Bim, bim, bim. Alors, maintenez RB. Après une attaque légère, pour effectuer un combo automatique de poussée. Autant faut-il savoir quelle est cette touche. Une attaque au corps à corps supplémentaire à un ennemi avant qu'il puisse récupérer. Ouais. Bombe incendiaire. Vendeur. Ouais, non, je pense qu'on va faire ça. Il y a de quoi bien, bien, bien se marrer. Faut juste que je trouve la touche Hervé, qui est celle-ci. D'accord. Bon, pourquoi pas. Wow! Ce coup, il a eu les yeux tout blancs. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez! Mais. Bon, pas de soucis, Robert. Tu fais ta petite tête. Alors que tu vois, moi, j'arrive très très bien monté. Ah merde! Ta gueule, toi! Enfoiré de merde! Il a buté un prêtre! Il est où? Il est là. Et ça attaque à Robert? Je vais être niqué! Ah, si tu touches à Robert, alors là, on va pas de copain. Hein. Get wrecked! Foiré, va. Personne touche à Robert. Ça va? Ah oui, il l'avait bel et bien attaqué! Salaud! Oula. C'est qui lui? Putain, mais les gens ils sont venus essayer de voler des richesses qu'il y avait pour. Allez hop. Putain, t'es où toi? Ah. Est-ce qu'il y a un petit truc là-bas? Y'a quoi? Ah non, il avait buté une hyène! Hein? Bon. On me dit dans l'oreiller de faut monter maintenant. Faut arrêter de perdre de ça. Très bien. Abruti! Mais d'habitude, il s'accroche pas. Putain, ils ont chié les enfoirés. Elle glisse pas, hein. C'est le fer d'Alexandrie, ça. Bon. Okidoki, et ça, du coup, c'est quoi? Fui! J'ai bien eu le fou. Bon, allez, Robert. Désolé, je t'en demande un petit peu, là, dans cette vidéo, mais don't worry, be happy. Après, tu pourras manger de l'herbe. Ça mange quoi un dromadaire? Désolé. Hop. Dictylophone qui s'excite. Je le rappellerai plus tard. Wow.
Oula. Ah oui, mais moi je suis arrivé comme si de rien n'était. Swing. Bon. Y'a Kiki qui est là. En captivité. Et c'est tout. Ah, y'a un trésor. Et y'a le grand méchant. Mais c'est quoi? C'est des gardes? C'est des bandits? C'est. C'est zbouiboui. En socialisation. Plaît-il? Quitte en socialisation. Ah oui, ils sont quand même un petit peu, hein. Y a personne qui garde ici. Ah, on pourrait passer par là. Alright, alright. Ok. On va attaquer de nuit, je pense. Bon, le problème, c'est que si j'attaque de nuit, si je me fais repérer, j'aurai plus d'excuses. Oh, je peux toujours dire que la manette, c'est la faute de la manette, le clavier qui colle. Oh, des trucs de base, quoi. Gardes sont très vigilants par ici. Ah, ce sont des gardes. Oh, mais il y en a un qui fait la sieste. Pendant ces heures de service. On va lui faire un petit coup. Oula. Ça y est, le PC est en PLS. Oui, je suis désolé, je voulais faire un combat. Pourquoi pas. Pourtant, j'ai enlevé tous les trucs que le PC pouvait faire. Télécharger toutes les choses. Mais ma vie, c'est de la merde. Il s'est dit, ouais, bon, au moins comme ça, ça me trouve une excuse. Je peux dire, ouais, non, mais regardez, c'est diapo chez mamie. C'est très très dur de jouer alors que c'est ça saccade. Ce qui est vrai en plus. Voilà, il se couche un par un. Ouh, puis c'est le gros. Oui, bonjour. Non, c'est rien, c'est ton pote. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Hein? Se le choper par derrière. Bon, mon excuse vient de se régler. Fuck. Oh. On pourrait carrément le mettre là, en fait. Ne bougez pas. Ne faites rien. Serait-ce la consécration? Ne parle pas trop vite. Le truc est en train de se gratter le pif. Oula.
Lui aussi. Et ben voilà, ça s'est bien passé. Oh oui, ils étaient en train de dormir, mais n'est-ce pas le but d'un assassin? On va pouvoir le tuer. Il est mon petit loot. Mais oh putain, ce qu'il y a en bas, par contre. Ah, ça recommence à laguer. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ben oui, mais ça lag. Une stun. Ah oui, c'est vrai qu'on a un combo maintenant où on peut rester appuyé, espèce d'abruti. Mais je pensais que moi j'allais pouvoir le toucher à travers la cage. Soirée. Bon, tu pouvais arrêter de laguer le jeu, ça m'arrangerait. Un petit peu. J'aime bien lui. Ah, tu vois, là il veut pas tomber. Alors comment il voulait tomber? Aïe. Eh oh, eh, vous foutez de moi ou quoi? J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs derrière. Ah oui. Oh, je suis passé devant, j'ai rien vu. Des dragibus. Non, je crois que c'est cet endroit qu'il aime pas ou... Ou je sais pas, le PC qui me dit d'aller me faire un culé. C'est bon? C'est bon, tu as repris tes esprits? Sweet. Okay. 37-40, non, même pas. Bah, ça. Évite de te casser la margoulette. Oh là là. Ah, nice. Non, 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 non. Tu restes ici. Ah, j'aurais pu le buter. Oh, on va laisser ces pauvres petites créatures. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Swing. Je vois ça vivre. Voilà. Prends petite épée. Monte dessus. Et on y va. Ah, moi je pensais que ça, qu'on voyait tout en fait apparaître. Bizarre. Wow. Ça c'est soldat, hein. Ils attaquent à vue par ici.
je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je tiens à le préciser quand même. On va faire une première fois tout. Putain, on va monter où comme ça? Oh, elle a rien vu. Mais putain, mais je voulais juste la buter. Ah merde, je l'ai pas vu lui. Oh là là, je suis les balèzes. Hey. Doucement, on se calme. Bon. En fait, y'a que toi qui est encore vivant. Bon, y'a quoi à faire sur Strafio? C'est tout? C'est tout? Genre j'arrive, je leur casse le cul et basta? Ça servait à rien. Ah. Mais je suis deg. Oui, c'est... Oui, il y a un croco, oui. Bim! Oui! Ah, c'est quand j'ai plongé, j'ai vu un Zozio. Et je l'ai buté en même temps. Mon cher. Pardonne-moi. Bon. Allez, je te rends ton rafio après. Ça, je peux pas le conduire malheureusement, c'est dommage. Désolé. C'est pas tout ça. Ah ouais. Oh. Merci. Oui, j'avais pas vu. Oui, bah aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Dans le cul! Quoi, lui aussi il veut venir? Vas-y! Vas-y mon gars! On y va, on se rencontre, je t'accoste. Ah, ça joue de merde! Il a l'air un peu coincé. Bim! Ah non, foiré. Ça y est, tu m'accostes à peine, tu mets des coups de queue. Foire. Ça va, il tape pas très très fort. Swing. Non mais c'est pas possible, la tante Gertrude aussi qui vient là. Hey. Ow. J'ai dit stop. C'est beau, hein? Tanginette, tonton Robert, non? Les collecteurs d'impôts de C'est fait tout. Il a pas tout fait. Sale plaque de merde! Te cherche. Prends tes affaires et fuis, tu trouveras un bateau en bordure de l'île. Mets-toi à l'abri. Lol! Putain, même un couteau, on était en. On ne sait jamais, hein? Porc épique plus couteau, hein? Oh wait, vous êtes qui vous? Un trésor. Et c'est tout?
Ah, il est en dessous. Plouf. Alors que le GPU m'a visé de la merde. Les morts ne parlent pas. Ah, c'était juste pour ça? Oh, c'est joli ici. Bonjour. Oh, oh pardon. Oh, je vous ai pas vu. My bad. Hop. On a marché dessus. Oups. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout un bateau. Oh, tu m'as fait flipper, j'ai cru qu'elle allait partir au fraise. Synchronisation sur de la merde de pigeon. Donc il reste encore ces deux-là, c'est ça? Ouais. Il reste encore celui-là et celui-là. Et après, on passera ici. Alors, je préfère nettoyer, j'ai toujours aimé nettoyer d'abord tout le lieu que je suis en train de faire et après passer à la suite. Ah, c'est les pêcheurs! Nice. Je vous emprunte ça, je vous le rends bientôt. C'est bien foutu leur truc hein. C'est plutôt par là. Ici beau. Vous. Désolé pour la priorité à droite. Ah, c'est un trésor englouti, c'est ça. Ah, j'adore. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, voyons. Ah, il y en a un autre. Ah, il y en a deux. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. Ils sont partis, n'en parlons plus. Sous l'océan. Sous l'océan. Tili-li-li-li-li-li-li-li. Sous l'océan. Ah, l'autre. On va scanner la zone, hein, bien évidemment. Il y a un rafio qui s'est cassé la gueule. Ouais, bon, c'est pas foulichon, foulichon. Ça, ça a l'air pas mal du tout, en fait. C'est bon? Ah oui. 200 pièces d'or! Yes. Ah oui, donc à chaque fois, en fait, que j'utilise le fait, l'impulsion, en fait, ça me prend du souffle. Ce qui est normal. Qui est tout à fait normal vu que j'utilise mes muscles, je perds en souffle, enfin en endurance, on va dire ça comme ça. Et il en manque un dernier qui est ici.
Et un là. Ok. Et ben on va aller se faire ça. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, hein, qui commencent à juste à savoir qui je suis, bah voilà, je suis quelqu'un qui aime bien compléter, ces jeux. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, j'aime bien finir les zones, finir de bien regarder un petit peu tout. Wow! Non! Méchant! Et c'est un bateau! Lolo. Du coup, voilà, j'aime bien finir un petit peu tout et après, on change de zone. Alors oui, on est un petit peu overpowered parce qu'on XP comme des pros, mais c'est ça qui est bon. Alors, bim. Ah, voilà. Et lui, là aussi, là. Faut pas l'oublier. Tartiflette, là. Elle me regarde. Non mais Oh. Ils vont se faire bouffer par les lions. Et pendant ce temps, Bayek admire la vue. Oh, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. C'est sympa ce Bayek. Ouais, c'est vrai que de ce côté aussi, c'est pas mal. C'est la première fois que tu te sers de ça, hein? De quoi, de ton épée? Vous inquiétez pas. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, c'est d'accord. Vrai? Je fais attention. Oui. Alors fais très attention! Et là! Sboum! Tu es mort! Ouais, c'est ce que ma femme me dit souvent. Quand je fais pas la vaisselle! Merde, attends, je suis parti aux fraises. Ouh. Attends. Ouh, c'est ça le combo. Qui Mais monsieur, mais non. Mais il est parti aux couilles. J'ai juste appuyé sur RB, hein. C'est vrai. Oui. Ouh, 600. Là. Je les ai défoncés. Oh, c'est des trigos blancs. Oh, les pauvres. Comment ça? Ok. Et il y a quoi ici? Hein? Ah, il fallait juste leur casser le cul parce qu'on avait envie de leur casser le cul, c'est ça? Comment ça, wesh? Ça. Les dieux aiment les âmes généreuses. Allez hop. Oui, mes royettes aussi. Non, mais t'es pas obligé de me parler, hein, en fait. Hein. Je lui vole son bateau, il me tape la discussion. Puis sinon, tu sais, je vends les oranges. T'as vu, des fois, la mer, elle est clémente. Non, mais la dernière fois, j'ai payé des impôts, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai que le pharaon, il se gave un petit peu. Si
sinon, je connais une un petit hydromel. Mouah. Quoique hydromel, non, ils faisaient plutôt du vin à l'époque. Hein. Enfin, c'était du jus de raisin fermenté et bien dégueulasse. Oh, ils devaient peut-être le filtrer, je pense. Avec du tissu ou un truc dans le genre. Parce que bon, avoir la peau, avoir tout ça. Quoique si, les Gaulois, ils buvaient de la cervoise, donc c'est de la bière chaude, en fait. De toute manière, on va essayer de buter le grand chef en premier. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il travaille. Ah non, là, il y a un trésor. Peut-être. Comment ça, niveau 12? Pourquoi niveau 12? Mais il y a un trésor. Allez, s'il fait défoncer le cœur. Bon, ils sont deux. Ils sont level 12 parce qu'à côté, c'est le level 12. Ah non, ça fait partie d'ici. Bon, vous savez quoi? J'aime le challenge, pourquoi pas? Mouillage. Devoir être prudent. Ouais. Tu peux pas descendre un peu là? Ah, ça rame du cul. Putain, mais cet épisode, hein? Je pense que ça a jamais autant lagué sur un épisode que celui-ci quand même. Je suis désolé mais... Il regarde son gag, c'est très bien. Il est en train de pisser! Oh non! Tiens, tu aimes ça? On appelle ça une God Shower. Et toi? Il l'a chopé par la bite. Encore un arc léger, oh là là. Par contre, il y avait un gros là, il s'est fait déboîter, je sais pas par qui, hein. Pas mal. Pouet. Wow. Mais aïe. Bon allez. Ah, il y a encore celui-là. Bon bah allons là. Il est où le bateau? On est vraiment obligé de se taper un... Ah. Bon, je pense qu'on va aller voir d'abord ce qui se trame là-bas. Je pense que... On va faire ça parce que sinon Robert il va encore blatérer. Ou déblatérer. Oh wait! Pas mal! Nice. Non, parce que ça suffit, hein. On a nettoyé plusieurs bateaux. C'est bon, on va pas faire que ça de l'épisode non plus, sinon ça serait pas spécialement intéressant. Donc on va aller voir comment ça se passe. Et comment le PC arrive à tenir Alexandrie. Yes. Oh.
rejoindre Alexandrie. Les dieux m'en sont témoins. Je viens t'aider, Aya. Avec tous ces gardes-là? Ah oui, ouais, d'accord. Okay. Alexandrie. Et c'est magnifique. Ah. Est-ce qu'on peut se le faire gratos? Ces marchands vendent leurs pacotilles ici près de chez moi. Ta fin est digne de la vie que tu as menée. Bonjour. Si je revois Iras, je lui annoncerai la nouvelle. Oh là là. Il s'en bat les couilles. Attention, je crois que nous ne sommes pas seuls. Je me laisserai ouais. Pas surprendre. Je pense que ouais, vous êtes pas seuls hein. Allez, sac à merde. Et donc du coup la quête c'est bon, c'est fini. Si je vois machin, je lui dirai que je l'ai buté. D'accord. Bon, si on allait voir sa fameux qui est là-bas. Oh, ce bug n'empêche. T'as vu quelque chose? Ah bah non, moi non. Non. Ah putain. Oula. Il y a pas mal de quêtes à faire quand même. On va y passer 50 ans. Vous allez me détester. Mais après si on rush les quêtes principales, ça sert à rien. Putain, lui, comme il a glissé. Eh, hey, on t'a vu, hein. Sarapis. Le serpent aura sa réponse. Sarapis. Mais laisse Sarah en dehors de ça, enfin. Tous les écrits doivent être copiés par la grande bibliothèque. Je ne te laisserai pas. J'imagine que les œuvres d'Archimède... Comment vais-je trouver Aya? Je ne trouve pas Fanon's par... Il a des idées très intéressantes. À propos des mus, cette bibliothèque est dédiée à, à l'invocation des neufs, filles de Zeus. Ah oui, parce que les neufs, sinon, je le connais, mais ce sera une autre franchise. Les connaissances du monde entier sont à portée de main. D'ici, chacun pourra réfléchir au... Ah. Très bien. Sarapis. Et maintenant, où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Tragicomique. Ah. Tu es Bayek, hein? Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Chut. Salut. Vite, suis-moi. Comment elle a regardé l'autre femme? Chien à trois têtes? Qu'est-ce que fait Cerbère? Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu? Tu sais que ça résonne quand même. Ah, tu t'intéresses au vers d'Homère, hein? Par ici, viens. Je crois que j'étais beau. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Continue, pas lieu. Hein. Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Toi, t'as dit Apollodorus. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Ah. Allez, on y va. Regardez, c'est Phanos.
Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. C'est chaud, mais quand même, comment on fait pour être aussi pollu que ça? C'est l'ancêtre du pullover ou quoi? C'est par là. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ah! Oui. C'est qui? Tiens, sans mon doigt. Pourquoi pas? Il s'assoit dessus. Pourquoi pas, mec? Oh, cette auréole. Bah écoutez, c'est là-dessus que je vais arrêter cet épisode. La prochaine fois, bim, direct, Aya, pour en savoir un peu plus sur cette histoire principale. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci pour toujours savoir votre ressenti. Oui, désolé, je parle en même temps, j'avale. Oh wait. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.